Pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement d'Eurotunnel, des procédures de déclaration de matières dangereuses ont été mises en place. Désormais, il est même possible de prédéclarer vos marchandises dangereuses grâce à notre nouveau service en ligne. Prenons l'exemple de John Phillips. Sa compagnie de fret en route utilise régulièrement le service fret Eurotunnel Le Shuttle. Avant chaque traversée, il se connecte grâce à ses identifiants, nom d'utilisateur, numéro de compte et mot de passe. Une fois sur l'interface, John survole « Matières dangereuses » depuis la barre d'outils et clique sur « Contrôler mes matières dangereuses ». Lorsque John a un doute, il se rend sur la page de la politique d'Eurotunnel sur les matières dangereuses et là, il peut consulter un lexique complet, unité de transport, conditionnement unitaire, quantité transportée et aussi vérifier la liste de tous les ONU, par classe et par groupe d'emballage. Tout est répertorié. Il peut également informer ses collègues sur les démarches à suivre et même organiser des formations pour ses chauffeurs. Pour la déclaration en elle-même, il suffit de se laisser guider et remplir les champs indiqués. Le numéro ONU, le groupe d'emballage, la quantité en précisant l'unité. Aujourd'hui, M. Phillips souhaite transporter 150 litres de gaz. ONU 1950, classe 2 s'affiche automatiquement. Le code de classification est 5A. Parfait, pas de restriction. Rien de plus simple, il remplit le formulaire en ligne et instantanément, la validation ou non du produit s'affiche. On ajoute une ligne en cliquant sur le petit plus. Monsieur Phillips souhaite maintenant déclarer du transport de butane. Donc, numéro ONU 1011. Ah, cette fois, ça ne passe pas. Cet ONU est totalement interdit. Réponse instantanée d'Eurotunnel en rouge. Il faudra donc retirer la ligne avant de pouvoir continuer en cliquant sur le petit moins. Il rajoute ensuite un nouvel article dans la classe 3 des liquides inflammables, ONU 2392, classe 3, 300 litres. Ah non, le maximum autorisé est 250 litres. C'est bon, il peut le transporter en quantité limitée et donc le rajouter à ce chargement. Lorsque John ne connaît pas encore le numéro d'immatriculation de son véhicule, il peut tout de même saisir sa prédéclaration et en cliquant sur « Sauvegarder » pour plus tard. Il faudra bien penser à le rajouter avant le départ du véhicule, pour identifier le véhicule à l'arrivée du péage. John souhaite maintenant rajouter des marchandises et souhaite retourner à sa déclaration. Il survole donc le titre « Matière dangereuse », clique sur « Voir »,« Modifier » ou « Supprimer ». Notre ami John retrouve ainsi la déclaration telle qu'il l'avait laissée. D'ailleurs, il doit rajouter un article dans sa livraison qui correspond à des matières toxiques ONU 2788, classe 6.1, groupe 3. Il clique donc sur son petit bloc-notes. Non, pas sur la petite poubelle, on risque de tout effacer. Oui, sur le bloc-notes, ici, c'est ça. La déclaration s'affiche en format détaillé et on ajoute une ligne pour continuer. Alors John, la déclaration est complète? Ok, alors on confirme. Et surtout, on n'oublie pas de bien préciser l'immatriculation du véhicule ainsi que les autres détails, couleur remorque, référence du chargement, type de véhicule. Cette déclaration est maintenant valable 96 heures. Au-delà, elle ne sera plus modifiable et il faudra l'effectuer à nouveau. Il sera tout de même possible de la retrouver dans l'historique. Maintenant, John Phillips peut sauvegarder et imprimer le document PDF et ainsi le transmettre à Tom, son chauffeur. Sur la déclaration de matière dangereuse, tout doit être répertorié pour être valide. Le numéro ONU, les références ADR, classe et groupe d'emballage ou code de classification, le nom d'expédition des marchandises transportées, incluant leur volume ou poids, précision sur l'emballage, nombre et description, quantité, net, masse brute. Tom va pouvoir se présenter avec son chargement au centre d'information fret. Ici, une fois le contrôle effectué, il pourra mettre en évidence sur son pare-brise un bel autocollant orange remis par les agents du fret. Nous vous souhaitons une bonne traversée avec le service Eurotunnel, le Shuttle Fret.